Trevendus vous dit bonjour. Alors, nous sommes pour notre partie, pour notre deuxième partie, au niveau des ranchos. Et donc, c'était le cirage à chaud, ainsi que quelques astuces pour casser le cuir, enfin le préparer, et une façon de lasser les ranchos classique et qui est bonne. Donc, ça c'est une brosse qui vient du partage de l'armée, où on a d'un côté les poils qui sont plus longs, plus souples, qui permettent de cirer, et les poils plus durs qui permettent, une fois le cirage on va dire un peu plus sec, de brosser et donc de faire briller. Parce que les militaires adorent quand ça brille, il faut que ça soit nickel. Sinon on peut prendre une brosse, ça c'est une brosse à habits qui est dédiée à son travail de... Voilà, de fin de cirage, on va dire. Alors, première chose, il nous faut une ranjo. Je vous conseille d'enlever les lacets, surtout si vous voulez les cirer vraiment à 100%, hein, d'aller jusque là, parce que je ne l'ai pas encore fait, il faudra que j'aille mettre du cirage. De brosser, quand elles sont neuves ici, les coutures sont... les tranches sont couleur cuir. Et donc, vous imaginez bien que c'est plus facile sans les lacets. Et puis, des lacets plein de tirage, c'est pas terrible. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous faire juste une partie avant, un petit peu du côté, histoire juste de vous montrer. On va pas vous faire la totale. Histoire de vous montrer un peu la technique du cirage à chaud. Alors, ça fonctionne tout simplement avec du cirage en boîte. Il m'en reste pas beaucoup, j'espère que ça va aller, normalement oui. Un briquet. On garde pas loin le capot qui va étouffer le feu. Et donc là on vient chauffer. Et vous voyez. Là on laisse prendre toute la surface. On pose au-dessus pour éteindre le feu. On se retrouve donc avec un cirage qui est bien liquide, j'espère qu'on voit bien. Là, vous voyez, on tourne. On va au niveau des coutures et même de la semelle, surtout à l'intérieur. Vous voyez, là, on va faire juste l'avant. Et on charge bien. Vous voyez. Maintenant, on va les mettre de côté le temps que je vous explique le lassage. Vous avez remarqué, j'ai pensé à l'autre fois. Donc j'ai mis du papier parce que j'ai frotté comme un bourrin pour enlever le cirage. C'est coriace, c'est tenace. Bah tant mieux, non, ça tient sur les ranchos. Une fois qu'on a fait, alors le cirage, je dirais le mieux c'est de le faire la veille d'un départ ou au retour. Vous revenez de la forêt avec vos ranchos pleines de boue, pleines de flotte, toute crade, hein, comme toute chose, on va s'en occuper, hein, surtout du matériel quand même. Aussi simple qu'un couteau dégueulasse, on le nettoie. Donc en revenant du terrain, vous prenez une brosse, genre une brosse comme ça, avec les poils, avec les poils durs, les brosses à récurer, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis vous mettez un coup de flotte sur vos chaussures, soit vous avez un robinet dans le jardin ou le jet d'eau, hop, un coup de brosse, et donc elles redeviennent propres. Vous les laissez le temps de manger, par exemple, sécher, puis vous appliquez votre cirage. Là, vous les laissez dans le garage sécher, le cirage imprégner le cuir le temps d'une nuit, et le lendemain, vous les brossez pour terminer, et c'est fait, c'est réglé. Alors, un internaute m'a dit, les ranchos, ouais, c'est cool, seul point négatif, c'est qu'il faut les cirer tout le temps. Alors, je lui ai répondu rapidement, oui, au début, parce qu'au début, on a besoin qu'elles s'assouplissent, donc oui. Mais par la suite, une fois qu'elles deviennent ce que j'appelle les savates, c'est ce que j'ai au pied, mais bon, hein, il y a eu des kilomètres, on a moins besoin.
Après, c'est moi, en fait, quand je les cire, c'est parce que j'étais marché, que je reviens avec des chaussures qui sont crades, qui a de la boutue, et c'est plus par esthétique, propreté, que par obligation. Donc, au début, oui, il ouais, faut s'en occuper. Mais bon, vous allez voir, c'est franchement tout con, c'est tout simple. Hein. C'est pas la mort. Hein, quand on a fait, j'en sais rien, 15-20 bandes de rando, c'est un effort comme ça, hein, de cirer ses chaussures. Maintenant, pour ce qui est du laçage, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez trouver sur internet. Moi, je vais vous montrer celle que j'ai appris à l'armée et qui me semble bien. Il faut alors des lacets ronds. Dans les 8 mm, c'est les mieux. Il faut du costaud. Si jamais vous avez un pépin en forêt, on va dire votre lacet casse, sachez que la barre à cordes remplacera très bien, en solution de secours, un lassage, le temps de rentrer comme il faut. Donc, vous avez, comme tout lacet qu'on achète, au bout, le morceau de plastique. Ici, vous faites un nœud simple. Vous coupez ensuite la partie où il y a le bout de plastique. Et vous avez donc un nœud qui forme une petite boule. Vous commencez, je vais essayer de voir par le dessus là, mais vous commencez par l'extérieur de la chaussure. Intérieur, vous rentrez. Puis vous passez au-dessus en face. Ensuite, ici, on va sur le voisin par en dessous. On revient en face. On repasse à côté par le dessous. Et etc. Vous voyez, puis après, on peut aller plus vite. Hein, mais on va pas s'énerver non plus. Il n'y a pas le piron qui sonne. Un peu. Fait le tour plusieurs fois. Là, je me suis mal pris parce que je suis à l'envers et je vois rien. Voilà, ça va plus vite hein, quand on les a au pied, parce que là j'essaye de vous montrer de votre côté. D'ailleurs, j'ai foutu un sacré bordel. Je vais mettre debout, je vais peut-être mieux y arriver. Arriver ici, ben selon, hein, soit vous arrivez là, soit vous arrivez là, et vous bloquez juste en dessous, ici. Pas besoin de plus. Vous bouclez vos rangeaux. Avec les pieds dedans, ça va quand même 10 fois plus vite parce que là j'ai l'impression d'être manchot. Donc ça permet aussi de garder son calme si on y arrive. Voilà. Voilà. Une fois que, vous êtes dedans, voilà, tout ça ne bouge plus. Et c'est parti. On va parler rapidement de comment assouplir les rangeaux.
Alors, il y a plein de techniques. J'en ai lu des spéciales. J'ai lu quelqu'un qui disait que de laisser tremper ses ronds de joue dans un seau rempli de lait, c'était super pour ramollir le cuir. Alors, peut-être que ça marche super, mais je ne suis pas trop d'accord pour foutre du lait. Et mon chat l'est encore moins. On en discutait hier. Il me dit, tu fais ça, je te coupe la carotide. Donc, le lait, on le boit. Maintenant, ce qu'il y a de bon, bah, c'est déjà ce que je vous ai montré, le cirage à chaud, qu'on laisse toute une nuit. Ce qui est bon, c'est la chaleur. La chaleur ramollit le cuir. Donc, en hiver, vous les mettez côte à côte près du radiateur. En été, bah, vous les mettez dans le jardin, puis vous les retournez face au soleil. Ça va les réchauffer, ça aidera un peu. L'eau, si vous allez faire un tour en forêt et que vous voyez, vous avez des ruisseaux, des flaques d'eau, n'hésitez pas à marcher dans ces étanches à peu près jusque-là. Donc, mettez le pied dedans, restez-y même une minute et marchez. Voilà, le fait de mettre l'eau, les gens qui font les masques de décoration en cuir font tremper leurs feuilles de cuir, c'est beaucoup plus fin. Mais font tremper leurs feuilles de cuir dans l'eau pendant, je sais pas, une soirée, et le lendemain, ils récupèrent quelque chose de très malléable. Ensuite, ils font leur visage, leur conception, et ils laissent sécher. Et là, le cuir reprend une dureté avec leur boue. Donc, voilà, le top, ça serait de marcher dans la boue, dans l'eau. Allez-y, faites-vous plaisir, de toute façon, c'est fait pour, entre guillemets. Et ça permettra d'assouplir le cuir. Vous pouvez aussi, comme je montrais un petit peu dans la première vidéo, assouplir le cuir. Alors déjà ici, ne pas hésiter sur tout ce qui est cheville et talon, surtout de bien bien doser au niveau cirage. Et une fois qu'ensuite elles sont bien 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 cirées, vous tournez. Vous faites à la main en fait ce que votre pied pourrait subir après. Voilà, vous pouvez casser. Elles vont pas mourir, ne vous inquiétez pas. Parce que si je les avais neuves là, elles seraient droites comme des bottes en caoutchouc avant que ça devienne bien plié. Donc voilà, faites ça. Sinon, il y a encore un autre produit qui est pas mal, qui est l'huile de pied de bœuf qui se vend. Chez le cordonnier, on peut peut-être en trouver dans les magasins de sport. Et c'est une huile bien grasse, comme ça, qu'on met comme le cirage et qu'on laisse travailler toute la nuit. Je n'ai pas encore essayé ce truc-là, ce qui paraît, ça marche bien. Donc voilà. Il y a aussi la technique de mettre des chaussettes humides. Pas trop fan, même si on mettra hein, quand même une, je vous avais montré une petite semelle mousse, ne serait-ce que pour le confort et puis aussi l'absorption un peu du pied. Mais au fond, une Ranjo, c'est du carton. Donc, ouais, ok pour ici de mouiller le carton, je suis pas trop pour. Donc, il y a une autre technique qui est celle de prendre genre papier journal, vous le trempez dans l'eau, vous arrêtez avant la semelle et vous bourrez votre chaussure le soir jusqu'en haut de papier journal mouillé. Comme ça, vous ne touchez pas la semelle interne et vous occupez juste de cette partie-là. C'est une aide aussi. Ouais, ça aussi, ça peut être un plus. Ouais. L'autre petit conseil, c'est ne partez pas avec des randos neuves, même super graissés, pour une rando de 40 km. Faites-vous des sorties de 3, 5, 10, vous verrez bien hein, comment vous vous sentez dedans, mais partez pas. Partez pas comme ça. En voyant ce que ça donne.
Après, à l'armée, on ne vous pose pas de questions. Donc vous faites vos 40 km. Et c'est comme ça qu'elles se font. Mais si vous pouvez éviter de morfler comme des fous, ben faites voilà, quelques kilomètres, vous mettez vos savates, vous les reprenez le lendemain, etc. Vous avez le temps, hein, ça se prépare. Et si vous avez une super rando à faire la semaine prochaine, bah dites-vous que ça sera pour une autre fois, les randos. Ou alors prenez-les avec, mais prenez une autre paire de pompes au cas où, pour pas être surpris. Donc, normalement, le mieux, c'est d'attendre toute la nuit pour que le cirage sèche bien et s'imprègne bien dans le cuir. Mais bah, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, au final, on prend notre brosse. Vous allez voir, ça part direct. Et on y va. Voilà. Bon. On peut se coiffer une dent. Je suis pas très fan quand ça brille trop. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance, moi, en général, une fois qu'elles sont faites, de remettre un petit coup de... un petit coup de cirage au moins là. Je les préfère mat, voilà, bon ça c'est esthétique, mais voilà, vous voyez ça. Ah, ça va vite à faire briller quand même. Et pour ceux qui sont tout fous des chaussures qui brillent, il y a encore une astuce, que je dirais une astuce de grand-mère, qui est celle de prendre un collant ou un bas que vous allez mettre en boule. Et vous les, après les avoir brossés, vous les astiquez avec ça. Ça fait encore plus brillantine. Voilà. Bon, ça, c'est pas mon but. Voilà, les amis. Deuxième partie terminée. Et puis, bon, on se reverra plus tard pour aller savoir quelle chose, quel objet. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt.